Je donne différents types de cours ici à Artistic Pole. Donc le pole and dance, ça va être un cours plus artistique où je vais apprendre une chorégraphie qui mélange danse et figure sur la barre. Le Power Heels, donc là c'est un cours qui se pratique à talons, où je vais apprendre une chorégraphie un petit peu sensuelle, glamour, dans un esprit glamour, pour développer sa féminité, savoir marcher, danser en talons. Pour finir, le Pole Practice, donc là qui est vraiment un cours technique, où on va apprendre uniquement les figures sur la barre. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Ah, les clichés. Danse lascive, spectacle érotique, club de striptease. Dès qu'on parle de pole dance, voici l'image que nous avons en tête. Tout le monde pense que ça vient du striptease, mais en fait, c'est né dans les cirques au départ. Les danseuses s'entraînaient à faire des figures sur le mât qui tenait la tente du cirque. Je pratique la pole dance chez Marjorie depuis cet été environ. Et finalement, c'est vrai que c'est très addictif. On n'est pas obligé de faire du cirque quand on fait de la pole. Il y en a qui sont... Qui ne travaillent pas du tout ce côté et qui font ça plus comme de la gymnastique. C'est une discipline qui est très complète et très intéressante et très féminine, donc on peut développer aussi ça. Souvent, les gens qui connaissent pas, ils disent moi aussi je peux le faire, parce qu'on voit que le côté se déhancher avec une barre. Mais voilà, la discipline a vraiment évolué et maintenant c'est devenu un vrai sport.
Donc c'est pas si facile que ce qu'on peut croire. Je respirais pole dance. C'est vraiment une discipline qui me permettait d'oublier toutes mes petites inquiétudes du quotidien. Bah, j'étais déjà bien musclée, mais c'est vrai qu'avec la pole, le machino et tout ça, ça a bien... Un challenge, un bien-être physique et mental par la confiance que ça peut apporter. Parfois j'ai peur, parfois j'ai mal, parfois je suis hésitante. Je voulais vraiment vous montrer les choses telles qu'elles sont. J'espère vraiment que ça vous plaira et je vous embrasse très fort.